Bonjour, c'est Igor Bogdanov. Non, c'est Grishka. Ah, ça fait du monde, hein. Salut mes petites beautés, c'est Cyril Hanouna. J'adore. Alors, Thierry Langlois, mon petit chéri, si tu veux doper l'audience de France 3, c'est pas compliqué. Faut changer un peu tes programmes. Tu fais question pour un Hanouna. Ensuite, plus belle la Hanouna, suivi par Thalassa Hanouna, et tu termines avec France 3 Hanouna. Soir 3 Hanouna, je me suis trompé. Et là, c'est le million à chaque fois. Allez, une petite danse des épaules en prime pour toi, mon Thierry, c'est cadeau. Voilà. Thalassa Hanouna, c'est pas mal en tout cas. Salut, c'est Bigard. Bah, dis donc, hier sur TNT1, il y avait une émission qui s'appelait Minimis, qui sera la plus belle? Alors je sais pas qui sera la plus belle, mais c'est sûr que ce sera la plus manipulée par sa mère, hein. Parce qu'il faut pas oublier que derrière chaque mini-miss, il y a une maxi-conne. Oh non, non. T'as compris, Jean-Marc? Bah ouais, mais non. Salut, c'est Jean-Claude Van Damme. Ok, bonjour, au revoir, merci. C'est bientôt l'été. Samedi, sur Gulli, il y avait le remake français du Seigneur des Anneaux, avec Léo Bitt et Gandalf. Sauf que là, le type s'appelait Père Fouras. Mais franchement, pas crédible. Parce que les mecs vont voir le vieux magicien pour avoir une réponse. Et le type leur balance une charade. Les mecs, ils bougent pas, ils réfléchissent. Y a pas à réfléchir. Moi, j'ai une charade pour toi, le Père Fouras. Mon premier, c'est ma main dans ta gueule. Mon deuxième, c'est coup de pierre tourné derrière l'oreille. Yeah. Et mon tout, c'est tu me donnes l'indice et tu ramasses tes dents. Ok. Ouais. Il y a un oiseau. Ouais. Qu'est-ce que je disais, moi? Je sais plus. Bonne nuit, hein. C'est ça. Merci beaucoup. En direct, Marc-Antoine Lebray.